fiction où on commence à l'apercevoir, c'est un minuscule point, c'est incroyable, tout le monde ici, hein, les Anglais et pas mal de Français, des touristes qui sont venus eh bien, exprès pour assister à cette arrivée, cette grande première historique, c'est à peu près la dernière étape pour Frankie Zapata qui se rapproche de ces magnifiques falaises de Sainte Margaret's Bay, des falaises magnifiques mais très imposantes, hein. Il va falloir que Frankie Zapata eh bien, fasse cette dernière manœuvre. C'est un peu ce qui nous échappe à tous parce qu'il n'avait pas pu la faire lors de sa première tentative. Ce sont des falaises de 30 mètres de haut. Il va donc devoir eh bien, mettre les gaz pour gravir ces falaises impressionnantes et atteindre eh bien, la plateforme d'arrivée. Regardez sur ces images, on l'aperçoit. Ça y est, il arrive, ça va très très vite, hein, 140 km/h. En moyenne, il se rapproche de nous. C'est assez exceptionnel et historique. Tout le monde retient son souffle et n'en revient pas d'assister à ces images, à cet homme volant au-dessus de la Manche. Regardez. Oh, il y a admiration qui nous dit à l'instant, c'est super, mais vous n'y croyez pas. Ah oui, oui, c'est... Déjà, quand j'ai vu la Ferté aller, j'étais sidéré. J'ai dit, tiens, faut que je réétudie de la physique, j'ai pas tout compris. Mais là, j'avoue que c'est... On est en train de vivre un moment historique, comme l'a dit Anne-Laure. Regardez les paons, regardez par rapport au bateau. Frankie Zapata qui se mélange. C'est vrai, on a vu un oiseau passer à sa hauteur, c'est assez magique. Il y a ces trois hélicoptères qui l'escortaient, il y a ce bateau dessous. Et là, on le voit clairement s'approcher des côtes. Nos caméras sont du côté des côtes britanniques, du côté de Sainte-Margaret Bay, où il doit arriver maintenant. C'est question de voilà. Là, c'est quelques jours, mais c'est étonnant. On a l'impression qu'il fait presque des zigzags. Je ne sais pas si c'est pour le plaisir ou si c'est. Il s'amuse avant de se terminer. Je pense qu'il est en train de prendre du plaisir et de s'amuser à faire des petits virages. On voit qu'il monte à la hauteur des hélicoptères, certainement qu'il est très très proche de la côte, encore quelques mètres. Et quel est l'intérêt des hélicoptères autour de lui? Il y en a certainement qui doivent prendre des images et pour la sécurité. Pour la sécurité, pour le moment, la marine nationale ouais. Également, on a quelque chose avec une sorte de truc voilà. À récupérer. Et en même temps, comment ne pas en prendre du bulldozer qui est à sa place? On entend le bruit de ce marine. Ça y est, on a Zapata qui s'approche des falaises britanniques de Sainte-Margaret. On le voit zigzaguer. On va retrouver Mathias Tesson qui est sur le lieu d'arrivée justement. Il a passé. Il a posé. Dans le ciel, les turbines qui font énormément de bruit. Mathias Tesson, qu'on n'entend plus, mais pour vous découvrir ces images en direct, voilà Frankie Zapata qui se pose donc sur. Attendez. Qui ne se pose pas encore, qui prend un peu de temps. Il est juste au-dessus de sa plateforme qui a été installée, plateforme toute petite. Et voilà. On y est, Frankie Zapata qui vient de poser à l'instant à l'heure sur BFM TV son flyboard. Ça y est, Frankie, c'est bon. Ça y est, Frankie, t'as encore regardé. Ça y est, Frankie, c'est bon. Ça y est, Frankie, c'est un succès. Oui. On voit la joie, quel moment. Regardez cette embrassade, cette prise ah, fabuleux. De Frankie Zapata et ses coéquipiers qui nous ont attendu. Extincteur pas loin au cas où en cas de problème. Il arrive à faire son ravitaillement à mi-chemin au milieu de la Manche et sa femme que vous découvrez qui est restée du côté français à Sainte-Gatte au téléphone. Très ému, les larmes. Ah, génial. Et pour les dernières informations, c'est vrai que ça a quelque chose de magique quand même et c'était un défi fou. Pour tous les passionnés, en fait. Alors, les passionnés de science-fiction, ils sont tous derrière, parce que c'est quelque chose, évidemment, qui vient de la télé aussi, on voit ça depuis des années, Marvel. Mais pour tous les gens qui sont fans d'aviation, c'est aussi une nouvelle porte qui s'ouvre. Et on va aller tout de suite à Sainte Margaret's Bay, au plus proche de Frankie Zapata, où vous vous trouvez, Mathias Tesson. Ça y est, il l'a fait, il le tient, son exploit. Il le tient, son exploit, Frankie Zapata, ça y est. On va même pouvoir réussir à s'approcher de lui dans quelques instants ici pour aller lui poser évidemment les toutes premières questions, réussir à obtenir son ressenti. C'est la première fois que je le vois, moi, Frankie Zapata. J'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, mais c'est la première fois que je l'aperçois.